La Chevrolet Cruze, c'est cette berline au design assez agressif qui a la taille d'une familiale, mais le prix non moins agressif d'une compacte. Elle existe en 4 portes comme ici, ou bien en 5 portes ou en break. En début d'année, l'offre s'est enrichie d'un deuxième diesel plus petit que le 2 litres de 163 chevaux. Il s'agit d'un 1,7 litre de 130 chevaux, plus économe à l'achat et à l'usage. À l'intérieur, le dessin de la planche de bord est original, notamment par ses empiècements de tissu à la place habituelle des inserts décoratifs. L'ergonomie est simple et notre version LTZ dispose de série d'un écran tactile central, mais il faut rajouter 790 € d'options pour qu'il daigne faire le GPS. La qualité de présentation reste moyenne, mais l'équipement assez fourni vu le prix compense. Sur la route, la Cruze se distingue par des suspensions assez souples qui procurent un bon niveau de confort malgré trop de mouvements de caisse. Le châssis est facile à prendre en défaut et la direction manque de précision. En revanche, le petit diesel de 130 chevaux se monte tout à fait à son aise pour animer cette Cruze assez légère. Il reprend 2500 tours et s'avère bien insonorisé à vitesse constante. Avec 4,60 m de long, cette Cruze 4 portes offre une habitabilité de familiale correcte en espace aux jambes et en garde au toit. En largeur, c'est plus compliqué, mais de toute façon, le dossier central est très dur. Les passagers arrière bénéficient de meunières et de petits bacs de portières. Les vitres arrière électriques sont de série dès le deuxième niveau de finition. Il faut le savoir, la Cruze 4 portes a un coffre plus grand que celui de la Cruze 5 portes. Notre modèle affiche en effet 450 dm3 de capacité, soit 37 de plus que sa sœur 5 portes. Le compartiment est plus profond, mais l'accessibilité est forcément moins bonne. Mauvais point, la banquette arrière se rabat bien, mais un renfort empêche l'obtention d'un plancher plat. L'atout principal de cette Cruze vient de son prix défiant toute concurrence dans la catégorie, Dacia mis à part. Notre version ne dépasse pas les 22 400 €, soit moins cher que la plupart des compacts à puissance et équipement équivalent, alors qu'elle offre une habitabilité supérieure. Si le coffre ne vous suffit pas, une version break est disponible depuis cette année pour 500 € supplémentaires.